Premièrement, je salue le commissaire gouvernement, M. Jacques Lafontaine, a bon droit de le pasteur Amel, oui, le pasteur Anel, Amel, Anel. Moi-même, je ne sais pas ça, je me trouble. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour un pasteur dans l'église, et commettre bon acte ça yo et dit bonne parole ça yo bon me quelque chose bon c'est fou il est fou parce que pas quand mon tête droite en fond comme ça et puis il a dit mise en visite lui moi j'ai pas compris par ça nous pas ça c'est plus un rituel ça se passe soit disant pasteur comment vous montrez pour petit tout. Moi-même, je comprends que c'était un monde dans l'église qui fait ça. Et là encore, il est condamnable. Et ce petit qui fait ça, il est doublement condamnable. Moi, je me pose des questions. Je ne vais pas dire ça. Je me pose des questions. Mais pasteur Amel, la fête a le fait quoi que c'est droit à un pasteur pour faire éducation sexuelle avec Fidelo et pour montrer, pour toujours gagner des relations en cadre sexuel. Même parce que, d'après vous-même, qui sont pensés de ça? Il n'y a pas le pasteur. Il dit tout pasteur. Il y a un sexologue, il y a un psychologue pour bailler ça. Ça, pasteur n'a pas ni sexologue, ni psychologue. Pasteur, ça, son pasteur fait retirer et licence, empêcher le bail encore pour ne pas corrompre mon Dieu. Parce que les femmes ont respect pour le monde. Pasteur n'a pas respecté la tête, il n'a pas respecté l'église, il n'a pas respecté le pays, il n'a pas respecté l'autorité dans le pays, il n'a pas respecté personne. Même nous, fidèles, nous sommes contents par rapport avec gens qui l'ont montré. Il a dit Amen à chaque fois que le pasteur a fait. Ah, mais fidèles, ont toujours dit Amen, le pasteur a fait. Bah. Mais dans un premier temps, vous avez été accusé pasteur de un acte de Kadeshak. Et un peu le monde dit, pasteur, ça, c'est toujours ça, esprit ça dans la tête. Est-ce que vous pensez, via le commissaire Lafontaine, que vous avez été sanctionné sous le même cadre ça toujours? Moi, j'ai un texte pour ça. Et si le commissaire Lafontaine n'a pas pris disposition à titre d'exemple, quand le pasteur ça, mon cher, il a fait parler le pays à mal, hein, il a fait parler l'église mal. Bon, mais écoutez, même pas, je me fais confiance avec le commissaire Lafontaine. Bon, malgré le commissaire Lafontaine. Vous faites mal, le commissaire Lafontaine, mon équipe va là, parce que, écoutez, c'est grave. Pourquoi je m'en vais comme ça? Pourquoi je m'en vais comme ça? Pourquoi je m'entendais le voir pour Nawel? Et puis, je m'attendais et je m'attendais dans le commerce. C'est un mal qui est grave. C'est un mal qui est condamnable. Condamnable, condamnable. Et il faut pas se raconter tout. Il y a des gens petits, des gens en bas âge qui ont gardé le bail comme ça. Le bail qui a tombé sur la zone. Non, 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 non. C'est inadmissible. Et d'après vous, maître notre juge, et ce qui sanctionne, vous pensez que la justice a dû prendre avec le pasteur Amel Lafleur pour ça que faire? Moi, je viens là d'ailleurs, c'est retirer licence, il n'y a pas de droit pour le pasteur. Je crois que c'est un très mauvais exemple pour ne pas être sanctionné. Réellement, il n'y a pas de 6 mois en prison, il y a une prison. Il dit 6 mois, il y a une prison et retirer licence, c'est que pasteur, c'est la meilleure solution et pour ta juger et passer à mettre l'affaire. Baba, je vais faire à manger. Son bagage est tout le monde brûlant, moi, mais. Ça, madame, ça me dit. Même si mon nom. Bon, si le fait dans l'église, qui s'est fait pour ça en de la caille? Je pose une question à votre mari, moi. Marie-Lina, oui. Non, on est en droit de se poser cette question. Nous avons le droit de poser cette question. C'est une question légitime.